arbre vert, vous le savez, alors comme vous le savez, 32,45, ça peut tomber sur vous, 32,45. Tirage au sort avec les bonnes réponses et il y a 500 euros à gagner. On continue, prêt pour la deuxième manche. Et alors même que je me confondais en politesse, monsieur l'huissier par-ci, monsieur l'huissier par-là, car j'escomptais par ses amabilités qu'il m'était en rien naturel impressionné favorablement cet huissier, et l'amener à annuler ses arrêts, ou tout au moins à les adoucir, je vis la porte de la chambre s'ouvrir brusquement, et ma mère apparaître dans sa chemise de nuit sale, ceinturée par cette affreuse banane dont elle ne se séparait jamais, pour le cas, disait-elle, où elle serait conduite manu militari en camp d'internement. Je vis, disais-je, ma mère apparaître et lancer à l'homme de loi d'une voix effrayante, « C'est Darnan qui t'envoie !» Celui que tu prends pour le larbin de Darnan n'est autre que Maître Échinard, huissier de son état. Et cet huissier vient procéder à l'inventaire de nos meubles ainsi que de leur contenu en vue d'une saisie d'abord et d'une expulsion ensuite. Une expulsion! Alors tu cesses instantanément tes pitreries et tu la fermes hermétiquement. Avec une légèreté qui me confondit, ma mère me rétorqua que nous devions supporter cet événement avec philosophie, sans déranger le moins du monde à nos habitudes. Je trouve que tu accordes une importance excessive à ces histoires de saisie. Ne salis pas ton esprit à ces choses, a dit Sénèque, dit maman. Je te démontrerai jusqu'à l'évidence qu'un naturel généreux sera corni et se débilite quand on le jette en proie à de telles sordidités. Quant à moi, le temps me manque pour ces conneries, ayant dit El Carreta, s'avança jusque dans le salon, trois amissiers de pied en cap. C'est Darnan qui t'envoie bon. Mais il faut que ces minables débarrassent le plancher d'Ardar, car par leur faute, on ne cesse de vous mentir. Oui, on intrigue dans votre dos. Vous êtes, dirait ta grand-mère avant de se retirer, l'homme pur au milieu des chacos. Des chacals. Récemment désigné du nom de mouche. Pigou serait plus approprié. Physionomie brachycéphale, teint bistre, pelage noir et dru, autant de caractères qui se laissent comparer à mains égards au pédigré de la race dominée. À l'examen racial, présente verge trapue, recouvert d'un abondant et catholique prépuce, sous lequel deux testicules dissymétriques entreapparaissent. Emportez, monsieur, cet ignoble télé. Emportez l'horrible buffet que j'ai hérité de ma mère. Il est en toc et il m'encombre. Emportez tous ces meubles qui meublent notre rien. Emportez dans vous y êtes ces spectres qui m'obligent à dormir la lumière allumée et la voix de mes morts. Vous pouvez tout emporter, monsieur. Vous pourrez jamais emporter mes désirs. C'est Épictète qui l'a dit. Je l'apprends à 100%. Alors t'inscris sur ton inventaire à la con que nous vivons avec en tout et pour tout, note-le. Les 400 euros cash éthique versés mensuellement par Secours National. 400 euros que nous répartissons comme suit. Tu notes. Premièrement, une somme de 40 euros par semaine environ, destinée aux aliments de base. Pain, riz, pâte, patates, œufs, steak haché, sucre, chocolat, Coca-Cola. Deuxièmement, j'ai oublié des cafés. Deuxièmement, une somme consacrée à notre ration journalière de cigarettes. Un paquet de gitane pour moi, plus un paquet de Marlboro pour ma fille qui fume en cachette. Égal, deux paquets par jour. Égal, 14
paquets par semaine, égal, en gros, 300 euros par mois, plus 40 euros, que multiplie 4, égal combien? 460 euros sur les 400 de subsides offerts par Secours National, vous voyez ce qu'il nous reste? Alors on a beau conserver nos mégots pour fabriquer des cigarettes entières et alterner le riz et les pâtes, c'est la dèche! Qu'ai-je comme recours? Écrira plus tard pour qu'il m'envoie un petit colis. Avant d'ouvrir la porte, maman déclara, citant Marcus Caton, il faut faire avec le méchant, comme avec l'ouragan, le marin. Et sur ces belles paroles,